Salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau haul action. Il y aura vraiment de tout, de tout, de tout. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, sachant que je fais du daily vlog, donc je fais des vlogs au quotidien, si jamais ça vous intéresse. Je commence avec la partie papeterie. J'ai pris un petit notebook, il y avait, j'avais vu 4 illustrations différentes, celle-ci est bien sympa. Et à l'intérieur, bah écoutez, c'est tout simple, ça se présente sous forme de lignes, mais horizontales. Et je pense, voilà, on peut venir le poser comme ça sur son bureau ou sur un support. Ils sont sympas quand même, hein. Il y a vraiment des articles de papeterie chez Action qui sont assez originaux, je trouve. Et en plus, on est d'accord, le prix, ça vaut vraiment le coup. J'ai trouvé cet étui. Alors, ça peut être, je pense que ça peut faire également étui pour tablette. On peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut mettre de la papeterie, des crayons, des stylos. Ça peut également faire office de trousse de toilette, pour le make-up. Ça reste très joli. Et il était également dans 3 couleurs. Voilà, il y avait du vert pâle et je sais plus. Mais voilà, j'ai choisi celui-ci. Amazing Stuff Inside. Ces petits paniers de rangement qui sont tout mimi, qui avaient 3 formats différents. J'ai pris le plus petit. Pareil, on vient mettre ça dans la salle de bain, sur un bureau, ce qu'on veut. On peut mettre des crayons, on peut mettre des pinceaux pour mettre notre maquillage, des cotons. C'est hyper mignon. C'est du... Je sais pas ce que c'est comme matière. Est-ce qu'ils le mettent? C'est un petit peu comme du crochet. Et j'ai pris le deuxième qui est comme ça. Un petit peu plus clair et dans les tons. C'est un peu doré aussi, hein. Regardez. C'est super joli. Et il y a également ça pour venir le suspendre, hein, dans une salle de bain éventuellement. Ça rend très bien. J'ai repris des savons pompes comme ça pour les mains. J'en ai pris 2 parce que j'en mets un dans la salle de bain, un autre en bas dans la cuisine. Ils sont super jolis, je les connais, ils sentent bon. C'est pour tout type de peau, il y a 350 ml. Les emballages sont toujours très beaux et j'ai pris celui-ci. Celui-ci c'est le Happy et celui-ci le Dreamy. Voilà. J'ai acheté des sockets, j'ai toujours besoin de sockets, je les perds. Voilà. Je perds mes sockets. J'ai pris tout simplement des blanches. J'ai également pris une paire grise et une paire noire. Voilà, fort basique, très pratique. Et puis peut-être que dans une semaine, je serai déjà perdue. 3 barrettes parce que voilà, je fais très souvent des chignons et c'est le genre de barrette, je sais pas ce que ça vaut, hein. Ça n'a pas l'air bien solide non plus, que j'utilise quand je m'attache les cheveux, on va dire à l'arrache rapidement. Il n'y en avait pas énormément, je vais tester et on verra bien. Pareil, c'était pas très cher. J'ai repris des éponges magiques. D'habitude je prends celle de Leclerc, c'est Monsieur Propre qui est comme ça. Là, je suis pas convaincue, hein. On verra si c'est aussi bien, si c'est aussi bien, génial, hein, parce qu'il y en a quand même 8. Et avec tous les murs blancs, et puis si vous me suivez, c'est comme du plâtre. Ça se salit à une vitesse, et ça j'utilise énormément. Voilà, on a un petit dessin d'enfant dessus pour montrer que ça enlève pas mal de choses. Dans la partie gourmandise, ce n'est pas pour moi, je vais plus pour Eric, hein. Tout simplement, c'est des... Even Better Warm, on peut le chauffer, c'est meilleur même. Sensation Soft Inside Choco de la marque Milka. Tu trempes ça dans un petit peu de lait, ça doit le faire. Ils ont de très mignonnes corbeilles. J'en avais déjà pris 2, pas du tout de la même forme, mais noire aussi. J'ai pris celle-ci. Elle est vraiment mignonne. On est sur une dimension de 23 cm de hauteur. On a des anses. Ça peut servir pour tellement de choses, de rangement. Même dans une chambre, tu mets des doudous, tu mets plein de choses. Si tu tricotes, tu mets tes petits... comment ça s'appelle? C'est super sympa. On va tester ça et j'espère que ça va nous sauver. J'ai beaucoup d'évier qui se bouchent. J'ai pris celui-là. C'est un gel actif qui est censé venir vraiment déboucher les canalisations, donc j'espère que ça va fonctionner. Ensuite, un petit miroir carré, tout mignon. Et ouais, il y a un petit peu de bois comme j'aime bien, le bois très clair. Et un deuxième encadrement blanc. Et il y avait également le même en noir. Ça ira, si vous me suivez, vous savez dans quelle pièce, un petit peu scandinave. Elle est jolie. Et là, vous avez vu l'étiquette, c'est marrant. Donc c'est un 30 par 30. You look amazing today.
C'est adorable comme sticker, je trouve. C'est tout pour mon petit haul action. Quelques nouveautés, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, bien évidemment, à mettre le petit pouce en l'air, parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt, soit dans un nouveau vlog, soit dans un nouveau haul, en tout cas dans une prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou. Salut !